vous allez voir du paysage. Une série de podcasts de l'Institut Paris Région, associée à son beau livre « Pays et paysages d'Île-de-France ». Chaque semaine, un expert de l'Institut Paris Région vous fait découvrir une des nombreuses pépites des paysages d'Île-de-France. Aujourd'hui, Pierre-Marie Tricot, paysagiste et urbaniste, vous emmène à la découverte de trois communes viticoles Champagne-AOC en Île-de-France. Nous sommes ici aux confins de l'Île-de-France. Géographiquement et même historiquement, on est ici en Champagne. Ces trois communes viticoles ne sont en Île-de-France que depuis qu'il y a le département de Seine-et-Marne. Si on remonte dans le temps, on est sur les terres du comte de Champagne. Pendant longtemps, les terres du comte de Champagne y allaient jusqu'à Meaux et même jusqu'à Lagny. Donc en fait, toute cette vallée de la Marne était champenoise. C'est l'extrémité ouest de la zone d'appellation Champagne qui s'étend évidemment principalement dans le département de la Marne et dans le département de l'Aisne, dans toute la vallée de la Marne. Et la vallée de la Marne viticole va d'Épernay jusqu'ici. Et ici, donc, on est dans les dernières communes viticoles de la Marne avant d'arriver dans la Marne meldoise autour de Meaux, donc la partie plus proprement francilienne. C'est à peu près la ville de La Ferté-sous-Jouarre qui fait l'articulation. Et quand on vient de Paris, quand on se dirige vers l'est, vers la vallée de la Marne, en train, la voie ferrée traverse souvent les méandres à travers des tunnels et on découvre à chaque tunnel un nouveau paysage et on a une succession comme ça de tableaux. Et le dernier tunnel, donc après La Ferté-sous-Jouarre, alors qu'avant on avait des paysages de coteaux boisés ou de cultures, d'un coup on découvre sur des pentes assez raides des vignes qui tapissent tout le paysage et qui sont donc des vignes produisant le vin de Champagne. On a quatre communes dans ce méandre, Sassy et Citry sur la rive sud du département de Seine-et-Marne, de la région Île-de-France et des communes viticoles. Au nord, Nanteuil également en Seine-et-Marne. Et puis Croûtes-sur-Marne qui est dans le département de l'Aisne mais qui forme vraiment un même ensemble paysager. Cette boucle de la Marne forme une unité paysagère qu'on peut voir d'un seul regard, et en particulier à la sortie du tunnel ferroviaire, mais aussi quand on va un petit peu plus haut sur le coteau. On voit donc toute cette espèce de grand cirque formé par le versant extérieur du méandre, toujours en pente plus raide. Un méandre a toujours une pente plus raide vers l'extérieur. Et ce cirque coteau qui occupe la rive nord de la Marne, entre Nanteuil et Croûtes-sur-Marne, est quasiment entièrement tapissé de vignes. C'est un endroit qui offre une bonne exposition au sud. Et on a également des vignes de l'autre côté qui sont peut-être moins bien orientées, mais sur des pentes plus douces, et donc qui bénéficient quand même également d'un bon ensoleillement. Et un fond de vallée aussi, donc avec d'autres cultures ou des prairies. Évidemment, pas de vignes. Les vignes sont toujours placées sur des coteaux, notamment pour que les masses l'air froid étant plus lourd que l'air chaud, s'écoulent vers le bas et que la vigne ne souffre pas du froid, notamment au moment des gelées de printemps qui sont les plus dangereuses pour la vigne. On est dans un espace donc avec une production viticole à haute valeur ajoutée donc qui assure pour l'instant la viabilité de ce paysage. Il y a relativement peu de pression foncière parce que on est quand même assez loin de l'agglomération parisienne, assez loin de villes importantes, même si on n'a pas les valeurs foncières qu'on a du côté d'Épernay. Quand on est dans une zone AOC, une parcelle AOC ça vaut cher et donc on la cultive. Ça reste quand même relativement plus intéressant dans cet endroit de cultiver de la vigne que de construire. Donc c'est un espace qui est relativement préservé par une activité économique dynamique, mais on sait que notamment le réchauffement climatique va poser des problèmes dans la mesure où à l'avenir c'est plus forcément les mêmes vins. Est-ce qu'on pourra encore faire du champagne dans ces endroits? Donc beaucoup de questions, beaucoup de défis se trouvent posés aux viticulteurs qui exploitent ce lieu et qui mettent en valeur ce paysage. Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, institutparisregion.fr.